Monsieur Bernalicis, qu'allez-vous faire, vous? Eh bien, nous allons voter contre cette proposition de loi. D'ailleurs, nous avons des amendements de suppression, donc ce ne sera pas étonnant et plutôt cohérent. Non pas que nous soyons pour les ajustements, etc. Le débat est très intéressant, hein, juridiquement parlant, mais c'est surtout sur le fond. Nous ne sommes pas favorables au développement des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte locales, parce qu'elles ont visé d'abord et avant tout, sous l'impulsion de la réglementation européenne, à faire en sorte qu'un certain nombre de choses qui, pour nous, devraient rentrer dans le champ du service public, soient gérées de manière privée et au nom de la concurrence libre et non faussée. Et c'est la notion de service au public qui continue à énerver notre droit national. Donc là, quelque chose de contournement, de biaisé, de faire en sorte que la chose publique continue d'intervenir par des canaux détournés, alors que selon le droit européen, ça devrait être tout bonnement privé. Nous pensons qu'il faut réaffirmer le caractère d'intérêt général de ces services publics et qu'ils puissent être mis en place sous forme de régie directe qui puisse garantir qu'il y ait d'ailleurs le statut aussi de fonctionnaire qui s'adosse à ça, ou au moins, et il y a un amendement de repli que nous avons fait sur ce texte pour dire que le droit public devrait pouvoir s'appliquer à ces sociétés publiques locales ou aux sociétés d'économie mixte. Parce que finalement, on finit par avoir un fonctionnement tout bonnement privé de services d'intérêt général. C'est quand même un peu ubuesque. Alors je comprends que ça rentre dans les philosophies générales, et je ne doute pas que le Modem et la majorité d'En Marche, en cohérence avec la réforme du statut de la fonction publique que nous allons faire, que nous allons discuter d'ailleurs dès jeudi en commission, comme vous voulez mettre des contractuels partout, bon, il y a une certaine cohérence, je vous le tiens pour acquis. Néanmoins, nous avons aussi, nous, notre propre cohérence, et nous avons une préférence, et de très loin, pour le fonctionnement en régie, y compris à plusieurs collectivités locales. Pour être très clair. Pour le reste, M. Bernalicis, vous avez une position de principe, c'est la vôtre. Il y a juste un point sur lequel je peux vous assurer que cette proposition de loi n'a rien à voir avec la réforme de la fonction publique. C'est totalement déconnecté. On est simplement dans une mesure technique, dans une proposition de loi technique qui vise à interpréter et à clarifier l'interprétation qu'il pouvait y avoir et revenir à l'état du droit antérieur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pourriez avoir comme idée d'une trajectoire sur la réforme de la fonction publique.